Cette année, pour la première fois et à l'occasion des 10 ans de The Voice, la production a mis en boîte une saison All Stars lors de laquelle des candidats emblématiques ont fait leur grand retour. La finale était diffusée ce 23 octobre 2021 et ils étaient 6 à la disputer, Amalia, Terence James, MB14, Manon, Anne Silla et Louis Delors devant les coachs Mika, Zazie, Florent Pagny, Patrick Fiori et Jennifer. Cette dernière a profité du fait que la compétition se termine pour faire une grande annonce. Jennifer a vécu une aventure compliquée à partir des Cross Battles, épreuve au cours de laquelle elle a perdu presque tous ses talents à l'exception d'Amalia. Profondément bouleversée par l'élimination de sa favorite Al. Aïe, elle avait d'ailleurs menacé de quitter l'émission, interrompant le tournage pendant un long moment. Si est-il donc quelque peu sur la réserve que Jennifer a assisté à la finale pour soutenir malgré tout sa candidate bien-aimée Amalia. Et après sa prestation exceptionnelle sur un titre de Céline Dion, la chanteuse de 38 ans n'a pas pu retenir ses larmes, confiant qu'il s'agissait très probablement de la dernière fois qu'elle serait assise dans ce fauteuil. Je suis très touché pour cette aventure qui m'a offert beaucoup de choses humainement, il y a eu beaucoup de grands moments sur ce plateau, ça fait 10 ans, j'ai vécu beaucoup de rebondissements. Je voudrais remercier toute l'équipe, tous mes talents jusqu'à présent. Et surtout Amalia avec qui ça a du sens d'être en finale. Elle fait partie de la première saison, on s'est construite ensemble, a-t-elle eu du mal à articuler, bouleversée. Une déclaration qui n'a évidemment pas échappé à Nico Aliagas. L'animateur a rebondi avec bienveillance en rappelant qu'ils pourront toujours se recroiser ici ou ailleurs. Ce à quoi Jennifer a répondu ailleurs. L'aventure de Jennifer dans The Voice semble donc plus que jamais terminée et sa réaction vient même confirmer les récentes informations de public. Nos confrères ont annoncé mercredi que ni Jennifer ni Mika et Zazie ne reviendront la saison prochaine. Florent Pagny aurait quant à lui accepté de rempiler et devrait être accompagné d'Amel Bent et Nolwenn Leroy. L'attribution du quatrième fauteuil reste à définir mais des négociations seraient en cours avec Calogero et Gims.